but you got the behavior of your neighbor. Even when stability's never in your favor, fly with the turbulence, only last a minute. Land on your dreams and recognize you live it. Walk through the valley and peaks with bare feet. Run through the flames, there's more passion for me. A glass testimony just so the world can see. Better wounds on me, you're watching me lick them clean. I know, my pride, my goals, my eyes, my lows. I know, it's mind control. I know I can prosper, no imposter. Prosecute my posture, I stand up and I stand by you. What? I am a freedom fighter. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo hors caméra. Donc, quand je dis hors caméra, tout simplement, c'est une conversation Skype qu'on a eue, donc les membres de notre guilde, comme d'habitude, tous les soirs. Et c'est vrai que ce soir, c'était assez monstrueux, vu que là-bas, j'étais juste en train de faire un exo PO. Donc, j'étais en train de filmer et au final, j'ai gardé la totalité de la conversation. J'espère qu'elle va vous plaire dans cette vidéo. Vous aurez les voix de Peace et de Maxi que vous avez sûrement déjà entendu dans une de mes vidéos, donc de Coliseum. Ensuite, vous entendrez la voix de Steve. Steve, c'est, pour situer un peu le personnage, ça doit être une des seules personnes noires de France qui ne sait pas faire l'accent noir. Et ensuite, vous aurez notre cher papa, qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans la guilde et à qui on a fait un sacré accueil et qu'on est assez content d'avoir en guilde. Et son fils qui ne parlera pratiquement pas, mais bon, je le cite quand même. Allez, ça y est, c'est reparti, encore une conversation Skype. Moi, j'en peux plus, là, il est minuit, il faut que j'aille me coucher. Et au milieu, vous entendrez également la voix de d'un collègue à moi que j'ai connu sur un autre jeu, qui est un peu comme une sorte de petit frère. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Mettez en commentaire justement si ça vous a plu ou non, si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Sinon, comme d'habitude, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée selon laquelle vous regardez cette vidéo. Mais surtout, bon apéro à vous et à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde. Excusez-moi, c'est les gènes de Bob qui sortent de moi de temps en temps, par spasme comme ça. Non mais il plaît. Mais c'est même pas sur le même continent, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, guess même toi, tu fais pas bien la voix de noir. Ah, ce que j'ai compris, moi, c'est que Seb, il kiffe les blagues de noir, en fait. Non mais je me dis... C'est un beau gros patch aussi, Seb. Non mais c'est qu'il a pas le temps d'en placer une que tu vas agresser, quoi, c'est énorme. Non mais c'est bien, t'as le droit de voter Marine, hein, pas de soucis. Mais... J'ai voté qui, moi? Mais ville Marine, exactement, dégageons tous ces négros. Même lui, il s'en fout. Et moi, j'attends que ça, j'attends que de dégager. On peut plus. Oh, il se rit. Un petit Jack, un petit Coca-Cola aussi, allez, c'est parti. Non, le Jack, c'est un café. Jack, je vais me faire un café. Oh, le truc à trois rapports. Ah, en parlant de Jack, j'allais me manger une petite compote de pommes. En fait, ça va pas être dégueu la compote de Jack. Hein. Le mec, il nous sort un truc. Putain, mais toi, t'es franchement con. Hey, et moi, je te jure, j'ai un pas de manger dans ton restaurant. Le mec, tu lui dis, c'est quoi une petite compote là, dernière invention? Jack Daniel, pure pomme. Je vois bien. En fait, le plus drôle, c'est pas les blagues de Steve, c'est juste le vrai de Seb. J'en peux plus, je vais crever. Mais non. Ouf. Et encore, t'as pas vu Yann en forme, toi, hein. Yann en forme, mon gars. Tu vas perdre tes boyaux sur ta table, tu vas rien comprendre. Il va te faire rigoler. Ta base. Oh, ta gueule, j'en peux plus. Ah, vous savez que j'ai de quoi faire une vidéo au moins d'une demi-heure, là. Minimum. Ah, t'as filmé tout ce que tu disais. Ah, mais depuis tout à l'heure, je suis en train de filmer mon exo, du coup, je filme le son en passage. Ah, ouais, putain, chaud. Je voulais mettre en accéléré, mais au final, je vais laisser le son. C'est chaud. Quand on entend Steve qui traite, Field comme ça, qui insulte Field, moi je le laisse. Putain, il faut encore faire une réputation au négro, mon gars. Le négro, il crache partout. Mais tu sais que. Franchement, il y a une fille qui m'a arrêté dans la rue. Et c'est ce que. Tu vois, elle et genre, elle sort, moi je marchais tranquille, j'allais au lycée. Elle fait, oui, c'est toi qui as craché ça. Elle fait, parce que c'est pas la première fois que je vois ça, franchement, des gros molars là. Le mec, il aura quoi.
train de sa vie. On s'en bat les couilles. On s'en fout. Il est fou. Et bienvenue dans l'épisode de C'est ma vie. Aujourd'hui, Steve. Il a même pas à jouer pour faire mon placement là, en fait. Mamie FM. Oh putain. Et puis tu veux ton micro. Ton micro, juste 10 secondes. Rendors-toi, Steve. Steve, t'as pas de dormir là. Steve, tu sais que si tu vas aller boire, tu peux y retourner hein, quand tu autorises. Quoi? Assure, quitte-le genre 10 secondes puis souvent. Eh ben, je coupe, ferme ta gueule. Oh oh là là. Ah, jouissance extrême. Ah, c'est jouissif là. Mes tympans te remercient. Oh, mais, elle... oh, le juste pour collectif. Oh, oh la course, ouais, c'est devenu un gangbang en quelques secondes quoi. Putain. Ouais. Oh mais mon dieu, mais il faut que tu fasses quelque chose, c'est pas possible. Tu fasses quelque chose pour ton micro, puis j'en ai trop marre. Je vais pas te racheter un PC, mec, t'as masse de thunes en vrai. Quel livre cette année, Max? Alors je dirais 4, moins 4. Je dirais approximativement. Je suis pas très sûr. Approximativement, ouais, ouais, 0, c'est pas mal. Et tu comptes pas le programme télé quand tu dis 4? Parce que si tu le comptes pas, je suis dans la merde. Ah, des vrais livres, genre en vrai de vrai. Genre sans image. Alors. Pas New Look ou Playboy, quoi. Bah, j'ai lu une BD il y a pas longtemps. Ah, désolé, les livres sans image, c'est pas trop mon truc. Hein. Je connais pas. Audio. Ah, plus de 4000 livres audio gratuits. C'est trop mal. Oh, je suis tellement impatient de tout ce livre. Ah, alors. Je te parie en vrai, genre, quand les profs de français ils ont un affaire, ils vont là-dessus. Hein. Ouais, oui, bah tiens. Bon, attends. Tu vas écouter, tu vas changer ton avis direct. Tu vas changer ton avis direct. Tiens. Vas-y, on voit. Zola, Emile, la fortune des Rougeons. Allez, vas-y, ça c'est bien. Oh, j'ai peur. Allez, tiens, ça a l'air pas mal ça. Ah, génial. Ah, ouais, ça sera dans ma vidéo en plus. Vas-y. Chut, taisez-vous. Famille, un petit groupe d'êtres. Juste comme ça. Attends. Chut. On va mettre sur pause. Chut. Pour écouter Chut. Tout le livre, il faut écouter 19 heures d'enregistrement. mais genre, saga Harry Potter. Chut. Écoute, on avait pour 4 ans, 28 heures. J'ai l'impression d'être en maison de retraite, les gars. Mec, ça va, hein, elle est moins dépressive que ma prof. Hein. En résolvant la double question des tempéraments. Mais mec, c'est pire que l'ironie. Arrêtez de filmer. J'ai tout ce qu'il faut. Bah, tu filmes avec quoi? Là, Camtasia. Putain, mec. Et si tu filmais avec Fraps, concrètement, là, t'aurais à peu près. Je dirais l'équivalent de 4 teraoctets. Environ. Mec, on n'est pas à 2 tera après, hein. On n'est pas à 2-3 terres après, mais... La cabane, au final. Eric, on va pex ou quoi? Bah oui, bah tiens, justement, je voulais... Justement, je me suis dit, il est 23h04. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire à cette heure-là? Bah, tu pex. Allez, hop, la machine, elle est lancée. Bah si tu veux, on peut faire ça le 12. Il y a déjà un truc de prévu, je crois. Non, il me semble que dans le carnet, il y avait déjà un Coliseum. Je suis pas sûr. Hein. C'est fini, on l'a perdu. C'est fini, on l'a perdu. Oh my god. Oh putain. Non, mais sinon, non, je veux pas l'XP. Quoi? Au cas où t'avais pas compris que c'était un bon. Non mais sinon Mais demain si tu veux, pourquoi pas. Ouais, demain t'es chaud, t'as congé demain ou pas? Bah demain c'est férié donc ouais. Y'a pas la Pentecôte en Belgique? Ah si, justement c'est pour ça. Ah bah ouais. Un peu mieux que moi, t'as vu. La Pentecôte, là où là. Alors, ouais. C'est bizarre, il connaît pas ça. Là, c'est pas des fêtes de chez moi.
La Pentecôte, il n'y a pas un truc où on mange des trucs spéciaux? Si, c'est les crêpes. On mange pas. C'est les galettes des rois. Quelle bonne note. La bûche de Noël. Oh, encore bûche de Noël, t'aurais pu capter quoi. Je peux plus, moi je coupe, je reviens.